Barça, les Blaugrana rêvent d'un immense coup au Bayern Munich. FC Barcelone, une offre à venir pour Rafinha. FC Barcelone, PSG, Mercato, le Barça est déjà fixé pour Xavi Simons. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Barça reste attentif à la situation d'un cadre du Bayern Munich qui pourrait bien chercher à faire ses valises lors du prochain mercato d'été. Ces dernières années, le Barça est passé maître dans l'art des gros coups sur le mercato. Que ce soit en récupérant des joueurs librement à la fin de leur contrat, comme Ilkay Gundogan cet été, en enrôlant des prêts qui fonctionnent déjà très bien, à l'image de Joao Félix et Joao Cancelo, ou alors en allant chercher des joueurs à un an de la fin de leur contrat, comme Robert Lewandowski, tous les moyens sont bons pour renforcer l'effectif de Xavi. Et alors que le marché des transferts a fermé ses portes il y a à peine plus d'un mois, la direction catalane réfléchit déjà au prochain gros coup à réaliser. Le Barça pensait à Sané. Et visiblement, les Espagnols garderaient un œil attentif à la situation d'un certain Leroy Sané comme le dévoile le média allemand Sportbild. Arrivé en 2020 en Bavière en provenance de Manchester City pour 49 millions d'euros, l'Allemand de 27 ans voit son contrat prendre fin en juin 2025, et aucune discussion n'a été entamée pour une éventuelle prolongation. Pour le moment, le joueur n'a pas encore fait savoir s'il souhaitait poursuivre l'aventure ou changer d'air, mais les Blaugrana restent à l'affût en cas d'ouverture. Cette saison, il s'est imposé comme un des patrons de l'effectif, se retrouvant titularisé lors des 6 premiers matchs de Bundesliga et des 2 de Ligue des Champions, avec déjà 6 buts en 8 apparitions. De quoi convaincre son club à se bouger pour lui offrir une prolongation. L'international brésilien Rafinha pourrait partir en Allemagne lors du mercato d'hiver. Malgré un contrat qui court jusqu'en juin 2027, l'ailier Rafinha pourrait disposer d'un bon de sortie lors du mercato d'hiver. Selon les informations relayées par Okefichares, le joueur de 26 ans aurait l'occasion de rejoindre une grosse écurie en Allemagne. L'international brésilien, 18 sélections, 6 buts, intéresserait fortement le Bayern. À la recherche d'un joueur offensif de couloir pour un éventuel transfert de Leroy Sané, les Bavarois pourraient rapidement envoyer une première offre. Auteur de 2 buts et 3 passes décisives en 11 apparitions toutes compétitions confondues, le joueur auriverde serait estimé au minimum à 80 millions d'euros par sa direction. Pour rappel, il avait été recruté à l'été 2022 en provenance de Leeds United pour 58 millions d'euros. Le FC Barcelone, qui rêverait de ramener Xavi Simons en Catalogne, serait en pole position. Prêté cette saison sans option d'achat au RB Leipzig par le PSG après avoir été racheté cet été par le champion de France en titre, Xavi Simons serait toujours surveillé par son ancien club, le FC Barcelone, qui voudrait le faire revenir l'été prochain, d'après le quotidien espagnol, Sport. Xavi Simons, un rêve illusoire pour le Barça. Un rêve illusoire pour le Barça, d'après le compte Twitter Paris Saint-Germain Actualité, qui affirme que le milieu de terrain néerlandais devrait faire son retour à Paris à l'issue de son prêt avec le RB Leipzig. Mais Xavi Simons, qui avait déjà déclaré il y a moins d'un mois, que le FC Barcelone est son club de cœur depuis toujours et que si on l'appelle, il viendra à la minute qui suit.